Je m'appelle Pierre. Avant, j'étais enseignant dans une école à Bruxelles. On disait que c'était une école difficile. Bien sûr, mes élèves avaient un parcours souvent chaotique. Ils étaient un peu bruyants, mais surtout, comme tous les jeunes, ils avaient des rêves. Anan voulait être médecin. Driss se voyait déjà au Barça. Et Sadia et Aimé vivaient leur histoire. Et moi, je tentais de guider leurs rêves d'ado. C'était bien. Chaque jour, je traversais le canal qui séparait mon quartier de leur quartier. Et là, j'étais mal car c'était comme franchir une frontière entre deux mondes. Je constatais impuissant qu'un fossé de préjugés et d'intolérance s'était creusé entre les communautés. Nous vivions sur des îlots qui ne se mélangeaient pas, ne se parlaient pas, ne se connaissaient pas. J'étais vraiment très mal. Et puis un jour, j'ai eu peur. Le 22 mars 2016, je suis passé par hasard devant la station de métro de Malbec à 9h28. J'ai aidé Sophie, une jeune femme gravement brûlée suite à l'attentat. Je suis resté que quelques minutes avec elle, pour la réconforter. Elle avait à peu près l'âge de ma fille. Ce jour-là, j'ai vu ce dont la haine de l'autre est capable. Depuis, j'ai peur. Peur pour mes enfants, peur pour mes élèves, peur que mon monde se replie encore plus. Peur de ce que je vois à la télé. Peur de ces discours qui pointent l'autre comme cause de nos problèmes. Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés là? Je pense que les situations dans lesquelles l'autre devient un abcès de fixation, mais l'autre qu'on va petit à petit percevoir comme menaçant, comme différent, et puis à exclure, ces situations-là émergent toujours dans des contextes particuliers. Et ces contextes particuliers, ce sont des sociétés désagrégées, des sociétés fragmentées, hyper fragmentées, des sociétés atomisées, pulvérisées. Et donc, ce qui divise les gens est plus important que ce qui pourrait les rassembler. Avant cela, une des valeurs ciment qu'il y avait dans nos sociétés, c'était justement, ensemble, collectivement, on y arrivait. On parvenait de génération en génération à aller vers un mieux. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça qui domine. On a le sentiment que les choses vont aller de moins en moins bien. Ils ressentent avant tout qu'ils sont des victimes. Et donc, ils vont développer des peurs, différents types de peurs. La peur du déclassement social, la peur du déclassement culturel, de perdre son identité, etc. Et dans ces contextes-là, il y a ceux que j'appelle des entrepreneurs politiques qui vont développer des idéologies qui visent à fabriquer des identités fermées, au centre de laquelle il y a la problématique du bouc émissaire. Ces idéologies ont absolument besoin de développer, de désigner des boucs émissaires successifs. C'est le véritable ciment pour mobiliser autour d'eux, pour tenter d'arriver au pouvoir ou de s'y maintenir. Ces boucs émissaires, ce sera le musulman, c'est le juif, c'est l'homosexuel, c'est le demandeur d'emploi, le chômeur, c'est l'autre, c'est le réfugié, c'est l'immigré en général. Et dans ces idéologies qui visent à fabriquer des identités fermées, en désignant des boucs émissaires, ce qui est extrêmement dangereux, c'est qu'on va justement dire les musulmans, les juifs. Donc on va réduire leur identité à un seul aspect de leur personnalité, de leur identité. On va ne voir en un groupe d'individus que le fait qu'ils soient musulmans, que le fait qu'ils soient juifs, que le fait qu'ils soient réfugiés. Et comme nous l'a appris Amin Malouf, lorsque l'on réfléchit, lorsque l'on raisonne, lorsque l'on perçoit les autres à travers la mono-identité, ça conduit toujours à un moment ou à un autre à des identités meurtrières. Et donc ce sont des sociétés ou des contextes sociétaux dans lesquels on ne peut déboucher que sur de la violence. Il suffit de quelques clics sur le net pour voir exploser cette violence générée par la peur de l'autre. Aux quatre coins de la planète, sans toujours très bien comprendre pourquoi, on voit des guerres identitaires éclater, des partis xénophobes et populistes gagner des élections en stigmatisant la différence de l'autre et plus particulièrement son appartenance religieuse.
Un à un, des pays démocratiques tombent sous le contrôle de politiques fermées à l'autre. En fait, j'ai peur d'un monde qui a peur. Comment sortir de cette situation ? Nous devons absolument construire un contre-discours. Et notre grand défi, justement, c'est de tenter de faire exister un projet alternatif dans ce contexte-là, de résister, d'imaginer des micro-sociétés dans lesquelles des individus d'origine, de religions différentes tentent malgré tout de construire autre chose et qui expérimentent le vivre ensemble entre des gens qui ont bien de croyances différentes, de systèmes religieux différents. Je crois que le témoignage de ces cas-là est essentiel à montrer, de manière à pouvoir faire toucher du doigt qu'aujourd'hui, on doit garder espoir et il y a moyen de construire autre chose, il y a moyen de construire une société ouverte. Parce qu'on doit garder espoir, je suis parti à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui luttent contre le repli sur soi et le rejet de l'autre. Je voulais comprendre comment ces résistants osent bousculer leur certitude, leur foi pour recréer des ponts entre des communautés divisées et apporter des solutions à nos peurs. En écoutant leur histoire, je voulais découvrir comment ils s'y prennent pour mettre en place des projets ouverts à tous et dépasser le vivre ensemble pour arriver à faire ensemble. Si la première cause d'un monde de repli est la victimisation, je devais voir comment les victimes d'hier peuvent néanmoins construire des projets de réconciliation innovants. Et je me suis dit qu'il fallait commencer là où le faire ensemble semblait le plus compliqué. Dans un pays qui a connu un conflit identitaire, la Bosnie. Sarajevo, la capitale de la Bosnie, qu'on appelle aussi la Jérusalem de l'Occident, a payé un lourd tribut au conflit qui a déchiré l'ex-Yougoslavie. Cette ville symbole sera donc le point de départ de ma quête. Je me souviens. J'avais 30 ans quand la guerre a éclaté en Bosnie, dans ce pays si proche de chez moi. C'est dans mon salon que j'assistais à l'histoire en marche. Pour ce petit territoire, on voyait avec consternation des Serbes orthodoxes, des Croates catholiques et des Bosniaques musulmans s'affronter avec une barbarie qu'on croyait ne plus jamais vivre en Europe. C'est dans ce contexte que je rencontre ma première résistante. Nujema. Ja recimo nemam nikakvih fotografija svog oca zato što su sve što smo imali, onda su ljudi znali da vide mislili su zbog njegove odjeće da je on i onda su nam pričali različite priče o njegovoj smrti, poginuo, kako je ubijen. Kasnije mi je moj sadašnji direktor na poslu rekao da je od jednog svog bliskog prijatelja čuo da su ga stavili u kamionsku gumu i da su ga tako zapalili. Pa iskreno mislim da ne mislim da se sad nešto osvećuje nečemu što se dešavalo u prošlosti, ali mislim da me sve to što se desilo učinilo jačom i učinilo ovakvom kakva sad jesam. Ja sam čak izuzetno sigurna da ja ne bih bila ovakva da se sve to u prošlosti nije dešavalo. Ja kad vidim, mislim da sam izgubila dosta godina i kroz rat i u izbjeglištvu i živeću onako kako neko misli da treba da živim i da je došao neki moment kad je sve to počelo, u stvari kad ja stvarno želim iskoristiti svaki njegov moment onako kako ja mislim da je najbolji. Well, for Nujema's case, I think her persistence comes from, I mean, probably genetics as well. I'm sure her father had some of this, you know. And I think these kind of people are just born like this, you know. They're just born to be leaders, to move people, and you know, it's possible.
Onda, kad sam počela raditi na Al Jazeera, u godinu dana udebljala sam se 10 kg. I mi je rekao da, da on pozna jednu školu trčanja, da bi možda meni bilo super da se upišem u to. 3 mjeseca sam se patila, ali imala sam cilj. Ja generalno funkcionišem u životu tako da postavim cilj i da idem prema njemu. Ja drugačije ne mogu. Ne mogu recimo da sad izađem da uradim neku aktivnost samo da bih je uradila. Moram imati nešto što želim postići, a to u ovom slučaju bio polumaraton za 6 mjeseci. Jako mi se svidjelo kad sam vidjela toliko ljudi na jednom mjestu koji se osjećaju tako dobro, koji su jako sretni. U međuvremenu sam osjetila i ja taj kakav je osjećaj kad upravo zato koji je mjesec darivanja, mjesec kada radimo neke lijepe i velike stvari za druge i na kojima ćemo se družiti zajedno i tu je cijela priča počela. Cette histoire qui commence en 2017 est unique. Car malgré les tensions encore existantes entre les communautés, Nujema décide de créer en plein cœur de Sarajevo une équipe de course à pied où se retrouvent des Serbes, des Croates, des Bosniaques. Le groupe se nomme Tito, qui est l'abréviation en bosniaque de Terčanje Ito, ce qui se traduit à peu près par courir et plein d'autres choses. Et je vais vite découvrir qu'effectivement, courir n'est qu'un prétexte pour un objectif plus large. Se rencontrer, changer sa vision de l'autre, faire tout simplement sauter les barrières et recréer des ponts entre les communautés. Actually, sport is the best way to meet other people. In this group, you forget about Bosnia, you forget about war, you forget about everything that happened. I'm a Muslim, he is not, but you can't see that in our group. We are all the same. We dare to dream that one day it will not be just in our group, it will be all over Bosnia and Herzegovina. And my opinion is that Nujema is, actually I will say again, Nujema is guilty for that. I was afraid of Muslim people. I will have to admit that. I was afraid of people with long beards. I was afraid of women wearing hijab, especially women wearing niqab. And then all of a sudden there is one woman, she's a lot shorter, a lot thinner than me, and she's changing my entire world. She's changing my perceptions. She's changing everything that I know, everything that I am. I had my animosity towards people. I had my doubts, I had my suspicions, and in 10 days, all of that, it was gone. Ja sam razmišljala o tome zapravo zašto je to nama svima toliko bitno i onda sam došla negdje do zaključka da u stvari mi nemamo nikakve zajednice koje funkcionišu ovdje. I onda je nama, mislim, vjerovatno svima kulturološki bilo potrebno nešto gdje mi svi možemo da se povežemo kao normalni ljudi, da možemo da funkcionišemo i da nemamo tih nekih prepreka i barijera koje će nas razdvajati u bilo kom smislu. Danas mogu reći da sam ostvarila jedan od svojih snova, a to je bio da dovedem i da napravim veliki međunarodni triatlon u svojoj državi. Ja sam shvatila u životu da mi se situacija ili tako namještaju ili možda ja nesvjesno tako namještam, da volim da idem tamo gdje neko nije ništa napravio. Želim da iskrčim put, ja onda idem dalje. I was fat, I was lazy, I drink a lot, I smoke a lot. I was on the verge of suicide. If you want to do something, you have to change your opinion of people. And I changed my opinion of people, especially those people. I was afraid. You have to beat your inner demons, things that hold you back, things that keep your mind closed. Yes, everybody can change. Say it's real, you say it's real.
When I think about Nujeima as a leader, be a leader and to move people to be better. That is her perfect leadership skills. Poznaje, onda sad su počeli pričati da sam u stvari karakterom ja dosta slična svom ocu. Da je on također jako volio sport, da je volio okupljati ljude oko sebe, da je uvijek bio nekako lider u svojoj zajednici I da je upravo to ono što prepoznaju u meni. Nujeima started with her personal goals, but now she has moved hundreds of people to do the same. I mean, now people look up to her, really, and they look up to her, they want to be like her. They want to open up, they want to do things like she did, you know, they want to get out of their little tiny micro world, you know, and then go out and see whatever, you know, there's so many things in the world we can do. J'ai passé des heures à parler avec Nujeima. Et sa philosophie de vie est tellement claire. Ne pas regarder en arrière, ne pas rester victime de son passé, mais au contraire, puiser dans celui-ci la force de rebondir pour agir. S'ouvrir à l'autre par le sport pour faire tomber les préjugés, c'est la réponse de Nujeima pour ne plus avoir peur de l'autre. Très active dans le milieu associatif en Bosnie, Nujeima me conseille aussi de me renseigner sur un projet de réconciliation mené par Kemal, un survivant des camps de concentration serbes. Avec pudeur, pendant les quelques jours passés ensemble, Kemal me raconte sa guerre de Bosnie. À 24 ans, en mai 1992, il est enfermé avec son frère et des milliers d'autres musulmans dans le camp de concentration d'Omarska, tenu par l'armée serbe. Et certains miliciens sont ses voisins de village, et même ses professeurs. So we are inside the White House, spring, summer 1992. This formed part of the Omarska concentration camp. No one actually wanted to end up inside this building. So somebody who survived this place said later that the guards would strip naked to their waist and they would use their truncheons, they would use different implements like electric cables, and they would beat everyone mercilessly. And there was a window facing the ground, and they opened it. They wanted us to hear what was happening inside the room. We heard some screams and, you know, tables and chairs flying across the room because of the violence. But there was no way to hide, so it was terrible. The bodies of those killed either inside this building or in other parts of the camp would normally be dumped behind this window, behind the building. It was very, to put it mildly, it was very uncomfortable to see your friends and neighbors of yesterday suddenly threatening you. When I was old enough, I realized that my attackers saw me as a Muslim, as their enemy. So when I was released, when I arrived in England, I was angry,
I hated them, and I say I hated them with passion. I imagined, you know, killing them, and you may say, well, imagining killing someone and being able to do it are two different things. But I was so dehumanized that I probably would be able to kill and feel absolutely nothing. At this point in time, I was a victim. Then I asked for help. I suddenly realized I need help. And I was very lucky that there was a psychoanalyst from Russia, and she helped me on my journey from that victim status to becoming a survivor. And as a survivor, I asked myself a number of questions. How come that my teacher, who was such a nice guy in school, could participate in something like that? As Mandela said, you don't build peace with friends, you build peace with your enemies. So eventually, when it became possible, Kemal, the survivor, met, among other people, that teacher. Profesor Zorić, mene ste ne sjećate. Ne, mene ste ne sjećate. Ne, zapravo zato što se promijene kao i ja. Da, da. Jel i mene ste ispitivali? Ozbiljno. I mene ste ispitivali. Jel bilo grozno? Da vam kažem, vi ste bili jedan od mojih, to sam rekao i profesor Luki. Ne, ja se vas sjećam kao vrlo zgodnog tipa kojeg su cure kao tako gledale i koji je znao da se šalije, šta ja znam. I po tome jeste mi ostali u strašno lijepom utisku. Ne zajebavam se. Kako se osjećate vezano za to? Da li vam smeta? Naravno, pobijem se. I u to sam vrijeme htio pomoć. Da. Naravno, nisam mogao. Da. Bog okoline. Da, da. Svoji ili ne svoji. Da, da. Verbalno na kraju. Da, da. Da, da. Znači, bio sam tamo ono, sadjecim. Da, da. To je moj problem što sam se našao, vjerovam, politično vrijeme. Da, da. So I kept thinking about forgiveness, but when we think of forgiveness, is how do you forgive someone who will not even acknowledge that what they did was wrong? I don't judge them. I know what they did, but I don't want to play their judge or their prosecutor. So I was very lucky that in early 2008, I finally said, I forgive you. I just said it. I didn't really think what I was about to say. I just said it. And I felt a huge sense of relief. You know, life is too short. You know, you need to let go of things. It was very painful, but I want to live my life to the full. And I want to be a useful human being, you know, in this society. I want to be an active citizen. And so... Et Kemal est devenu ce citoyen actif en créant l'association qui se nomme Most Mira. Et sa traduction m'a tout de suite plu. Most Mira means a bridge of peace in English. You know, if you want to build peace, you have to build the bridges first. So I think most people in this community like what Most Mira does. The first idea for some kind of center was born in 2005. You know, building a place. And we also had young people who wanted us to be present in this community all year round. So basically, the Peace Center will also serve as a bridge between different communities. And the location is quite symbolic because this was the first house to be destroyed in the village. It's located across the field where I and other villagers were rounded up in May 1992 and before the first people were taken and tortured inside the school. There's a lot of symbolism because we are building something new from the ruins of the past, something better. So basically, if you want to rebuild this community, to build peace, it has to begin with small acts, very often small acts of kindness. It's not about big things. It's not about politicians. It's not about the United Nations. It's about the people, about whose lives this is. If you don't involve them, it doesn't count.
soon I'm going to become a father. I want to do it to teach him to be a good human being, not to hate those who did to me what they did to me. En quittant la Bosnie, la première étape de ma quête, je pars avec une certitude. Être victime n'est tout simplement pas une fatalité. Si après l'horreur, on est capable de tendre la main à l'autre, alors tout est possible. Nujema, par sa capacité de résilience, et Kemal, en misant sur la force du pardon, ont décidé de regarder la vie et sont devenus ces résistants dont m'a parlé Benoît Scheuer. Il propose une alternative concrète pour retisser les liens et par là même, lutter contre la peur de l'autre. Par leurs projets, par les rencontres qu'ils suscitent, ce sont des centaines de personnes qui dessinent les contours d'une nouvelle Bosnie ouverte à l'autre. Cette première étape m'enthousiasme et je m'interroge sur ce qui nous permettrait de créer de façon universelle un monde inclusif. Pas seulement en Bosnie, mais partout. C'est Amin Malouf qui a écrit avec une telle clairvoyance sur nos dérèglements sociétaux et nos crises identitaires que je décide de rencontrer pour qu'il m'aide à cerner les enjeux auxquels nous devons faire face. D'abord, je pense effectivement qu'il y a des valeurs universelles. Je ne crois pas un instant qu'il y a des valeurs qui sont valables pour certaines populations, pour certaines civilisations, et d'autres qui sont valables pour d'autres civilisations. Mais il y a des éléments fondamentaux avec lesquels on ne peut pas transiger. Un, que l'homme, que tout homme, homme ou femme, naît libre. C'est-à-dire, c'est à lui de décider de sa vie, que sa vie n'est pas la propriété d'un roi, d'une communauté, d'un groupe religieux, d'une nation. Tout être est libre. Ça, c'est une valeur fondamentale. Tout être a droit au respect de sa dignité. Savoir quelles sont ses aspirations, quels sont ses rêves, quel est son regard sur le monde, sa vision de l'histoire. Et cela est irremplaçable. Et il y a un ensemble de choses qui sont fondamentales et avec lesquelles on ne peut pas transiger. La question n'est pas de savoir si nous allons pouvoir vivre ensemble. La question de savoir comment nous allons vivre ensemble. Parce que nous n'avons pas le choix, nous allons vivre ensemble. Nous n'allons pas faire le tri au sein de nos pays, au sein de nos villes. Nous allons continuer à vivre ensemble. Le monde ne va pas se démondialiser. On ne reviendra pas en arrière. Mais nous devons essayer de changer. Nous devons repenser le monde. Nous devons refaire un monde harmonieux, un monde qui fonctionne, un monde où chacun a sa place, sa dignité. Pour que tout le monde y gagne, plutôt que tout le monde y perde. C'est clair. Puisque l'enjeu dans un monde global est la dignité, c'est avec évidence que la deuxième étape de ma quête me conduit à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui se battent pour créer ces sociétés qui auraient cette valeur comme pilier. Comment s'y prennent-ils ? Je me rends au Liban, où la dignité humaine y est mise à rude épreuve par l'arrivée massive de réfugiés sur ce tout petit territoire. Les chiffres donnent le tournis. Au cours de ces dernières années, ce pays a accueilli plus du double de réfugiés que tous les pays d'Europe réunis. Pour faire simple, au Liban, un tiers de la population est réfugiée. Aucun pays dans le monde ne doit faire face à une charge économique et sociale aussi importante. Aujourd'hui, la vaste majorité des Libanais exprime avec vigueur son ras-le-bol face à cette situation qui bouleverse leur mode de vie. وبياخذوا حتى الشغل من طريق اللبنانية كمان بوظائف بمطاعم بمحلات صار عبء كبير على لبنان ما عاد يقدر يتحملهم يعني بهالشكل هيدا صار بيسوى انه يمكن يرجعوا على بلادهم يعني It's about time يعني. C'est dans ce climat tendu que se déroule ma rencontre avec le docteur Jamal.
ce résistant hors norme qui travaille dans le camp de Kefraya, au centre de la plaine de la Beka. Malgré les vives oppositions, le docteur Jamal refuse de tomber dans le repli et la peur en accueillant et soignant les Syriens que la guerre a chassés de chez eux. Et son ouverture à l'autre va même plus loin. Dans un pays où le confessionnalisme est omniprésent, ce docteur, chiite de confession, soigne les réfugiés syriens, des sunnites, et ceci en travaillant pour un ordre chrétien. Ça, c'est vraiment unique au Liban. Ok. الله يخبرني عنده ميغرين عنده شقيقه عيون مرمدين بدمعه مسخن ويصعب كونجونكتيفيت افتح تمك اوه محلاك قول اه قول انا ربيت بضيعه نائيه بعيده عن المدينه بعائله كثير فقيره بس كنت اشعر انا وبقلب الضيعه انه بعرف كان بيي يشتغل كثير من الصبح للمساء أنا كتير قربت هيك مش بس من أهلي من أهلي ومن كل الناس الفقراء اللي عشت معهم بالعكس عطتني قوة لعيش معهم أكتر إيه ما عندش هذا من سنانة عند عاملة حساسية بحنجروتنا من هون بس هاي من سنانة ما في شيء لعطيكي دواء لإلاز عندت حرارة بتعطيك 90% من الشعب اللبناني بيتعاطى مع النازحين السوريين من منطلق سياسي أنا من الناس اللي بأيد كل واحد سوري بغض النظر محتاج ليتطبب وبحاجة إنسانية لحي الله شيء أنا مع هذا الناس ولكن اللبنانيين عم يحكوا بالسياسي مش بالعمل الإنساني Dans leur domaine, Syriens, Palestiniens, Libanais, Chrétiens, Musulmans, ça ne fait rien pour nous. C'est un patient, c'est un être humain, un point à la ligne. On va aller à ce jour-là dans les camps, le camp 009, 010 et 040. C'est trois camps, c'est un, trois grands camps. أنا من وقت اللي بلشت أشتغل معهم قدرت نمي الثقة بيني وبين النازحين السوريين صاروا يوثقوا فيي صار المريض يفوت لعندي بيحكي لي بكل صراحة شو عنده مثلا المرأة اللي مثلا أوقات بشوف مرأة عندها عينة أزرق عخدة أزرق بسألها شو بتقلي رح قلك بس بعرفك لأنك أنت ما بتحكي لحد أنا زوجي ضربني بمزح معها بنسيها بقول لك اوكي ما تعودي تخليه ينام حدك بتقلي شو بدك اكل قتلي تاني مره تاني يعني ولكن هذا الامر لو كان بيزعجني بس ما بنكرز منه لاني بعرف ظروف الحياه عندهم كثير قاسيه وكثير صعبه بهاي الخيمه شو بدهم يعملوا بهاي الخيمه ماكل شيء شو كنت مطعمتين ضيقه على هلا ما نحن ما انا مره وحده برمضان عملت صبان وشربت صبان بتعطيه حبه ساعتها يا ريتك ساعتها من الصيدليه يطفي بعد شي ساعه ساعتها بده ياخذ دواء لو تقولي لي ساعتها او تحكي مع ابو شلاش كان يحكي معي جت مع الحكيم خليه يصوري لي على الساعه 4 بس يصير عمره شهرين خذي لك حتنين كل لقاح لتنين مرقك دغري انا لو كان زحمة عالم روحي انت قولي لي انا بنت بنتي بنت بوشلاش قولي لي الله يلعن ابوك قولي لي هيك هيك خلص مزبوط يلا خطر يلا خطر يعني احيانا كثير هن اولاد بالسخنه وبيمرضوا فجاه هيك يجي الباص يعني باص الدكتور جمال بيجي بيحكم ناس كثير بترتاح يعني بيعطيهم دواء دواء سخونه كل شيء يعني نسوان الحوامل بيساعدون إيه أكيد كان سنة عم يعمل هيك لو مو هيك ما عمل يعني مش مبين في هون عنا مشاكل بدك هيدي الكلية هون إيه عرفت معي صبي قالوا لي بس المفروض بولد بالشهر السابع أول شيء هيك يكبر بس إنه الله أول فلان شيء إنه الله يخلي لي يعني هيك طيب إنه ما ويكبر أسوي له بيت يصير بيدرس يصير أستاذ محامي هذا هو المهم إنه شيء يعني منيح يا
كثير من الأحيان الأطفال عند النازحين السوريين علما بأنه ما كان عندنا نفس الوضع السكن، على القليل كان عندنا بيت أنفون وتمون وعيونون وحتى أذانون. بالنسبة لإلي أنا كل الناس مثل بعضهم، للشيعي وللسني وللدرزي وللمسيحي بتنوعاته. أنا بطلع للإنسان بإنسانيته وبعتبر كل واحد حر بطريقته. 7 مليارات إنسان، 7 مليارات طريقة لعبادة الله ولا يتقرب من الله. أنا طريقتي إني بخدم الإنسان وبكون كتير قريب من الإنسانية وعم مارس إنسانيتي. كمل الشغل، ما بقدر أقعد بلا شغل لكمل كل حياتي. ما بقدر، أنا ما بقدر أقعد بالبيت من دون شغل أبدا. نحن كنا نعطيك هذا بالأول، أنت غيرتيه لهذا. اللي عندك منه كتير؟ لا، هيدا أو هيدا، يا هيدا أو هيدا. لا 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 لا، هو خلص ما عشيش حدا أبدا. أوكي أوكي. J'ai côtoyé le docteur Jamal durant plusieurs jours dans le camp de Kefraya. Et ce qui m'a frappé, c'est l'engagement qu'il met à voir en chacun de ses patients une personne sans aucune étiquette identitaire, qu'elle soit confessionnelle ou nationale. Comme il aime le marteler, ce sont des patients, des frères. Ses paroles et ses actes redonnent aux réfugiés leur dignité humaine. And the love written on your face was so discreet. Skip a beat, and the melody of falling was so sweet, so sweet, and the love written on your face was so discreet. You made my heart skip. En rentrant à Beyrouth, je me rends compte combien le Liban, mais surtout les Libanais, sont étonnants. Si c'est en blouse blanche que le docteur Jamal se bat pour les plus démunis, c'est en basket et en habit de marque que Léa a décidé de mener son combat. Léa, c'est l'histoire d'une jeune femme chrétienne appartenant à la bourgeoisie de Beyrouth. Après une scolarité dans les meilleures écoles, elle entame sa carrière comme consultante dans de grands cabinets. Une vie confortable qui suit la route imaginée pour elle. Mais un jour, elle décide de quitter sa zone de confort et part à Tripoli, à 130 km au nord de Beyrouth, dans un tout autre univers, pour mener à bien, avec les populations locales, un ambitieux projet de reconstruction. Mais qu'est-ce qui a bien pu la pousser à mettre ce chaos dans sa vie? J'aime les choses différentes, j'aime les challenges, j'aime rencontrer des gens différents. Et j'aime sentir que je peux faire quelque chose. Alors au début, oui, j'avais peur pour elle. Je me suis dit, mais pourquoi Tripoli? Qu'est-ce que tu vas aller faire à Tripoli? Vous savez, avec des gens de confessions différentes, même si on n'est plus au temps de la guerre et même si c'est derrière nous, mais les séquelles de la guerre, ils sont encore un petit peu... ils sont encore bien ancrés. Il suffit de se rendre de Beyrouth à Tripoli pour comprendre que le Liban est un pays morcelé en poches confessionnelles qui s'opposent sans que plus personne ne comprenne très bien pourquoi. Dans la capitale du Nord, on me parle de cette guerre des pauvres qui opposait, jusque tout récemment, deux quartiers populaires qui se font face. Celui de Bab el-Tebene et celui de Jabal Mohsen, respectivement sunnites et alaouites. Les tirs de Kalachnikov et des mortiers ont fait dans ces quartiers voisins des milliers de morts. Dans la rue qui servait de ligne de démarcation entre les combattants, la rue de Syrie, les enfants occupent à nouveau le terrain. مثل ما نحن كنا حاطينا براسنا وقت ما كنا نعرف شيء، كنا نفكر انه هي طائفيه، بس نحن اكتشفنا انه هي كانت كلياتها لعبه سياسيه. كانوا يعلقوها هون بطرابلس، لانه عارفين انه طرابلس منطقه كثير فقيره. لا انا كنت متخيل انه في مجموعه حشاشين خارجين على القانون لازم نقتلهم نخلص منهم، هيك اللي كنت فكر فيه. ما كنت متوقع ابدا انه اجتمع انا مع حدا من الجبل ابدا. يعني من انا وصغير لا بطلع على الجبل ولا بنزل على الجبل،
بأيامها إنه يا ريت نخلص منهم بقى، نرتاح منهم، ما بنيونهم بقى. هيدا كان تفكيري كله. C'est dans la rue de Syrie que Léa a établi le siège de son ONG March, qui a pour but de reconstruire ensemble les commerces et de former les jeunes à un métier. اجت صراحة على طرابلس كانت مثلا المعارك ما كان صار لها 3 شهور خالص المعارك وقت اجت على طرابلس قدرنا انه نغير كثير اشياء صرنا نعمل مشاريع باب الذهب وصلنا هلا لخامس مشروع باب الذهب اللي كان هو عبارة عن تظبيط المحلات بشارع سوريا وبجمال محسن هن هيك بيجوا ما بعرف كيف مصدقين وهيك هلا شفتهم مصر ايه بس لان هوليك مثلا مصدقين شوي بركب الفونيس واللباد الرضا La première fois où j'ai été à Bébé Tebene, je me suis dit, mais ces gens-là, ils vivent comment? Mais on n'est pas dans le même pays, c'est pas normal. Toutes ces petites ruelles avec des RPG qui sont rentrés à l'intérieur, avec le nom d'armes dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et je sentais que tout le monde me regardait de travers, en fait. Tout le monde me regardait, m'observait. C'est quoi cet intrus qui vient dans cette rue? Et quand j'ai vu, en fait, tout ça, je me suis dit, mais non. Il faut de l'art, il faut de la culture, il faut de l'espoir, il faut quelque chose. شراين رح يدهن هيدا ايه يعني كله هيدا رح يندهن هيدا الدرج كله رح يندهن ففي يندهن هيدا اللي كمان اللي وراه صح وين رح نزرع بس انا مش عم بفهم وين رح نزرع هون رايح زاعي وراهم من وراهم عشان في ما بعرف وين نزرع او بيت بدك تخليهم بدنا نهدمه للحيط ما هو الحيط صار كثير ضعيف هلا اللي فيك تعمله بهيدا هونيك تعمله هيك في ديزاين Il y a dans Léa, elle a une fougue, une flamme en elle qu'il fallait qu'elle dégage et qu'il faut qu'elle dégage constamment. Elle s'est rendue sur la ligne de démarcation. Elle a rencontré les gars de Jabal Mohsen et de Bébé Tebene, des combattants en fait, qui s'entretuaient. Et elle a voulu décider que l'art doit faire surface et doit gagner. في عالم استغلت هاي الفرصة مثل أنا ما كنت شيء يعني أنا كان عمري 16 سنة كنت حامل بيرودي عم حارب بالشارع على القليل قدرنا نعمل مركز لقلنا إنه يقدر يجتمع فيه ابن الجبل وابن التباني لأنه قبل ما يكون هذا المركز أصلا ما في غيره وقبل ما يكون كان ابن الجبل والتباني يجتمعوا بمحل واحد اللي هو السجن Ce que March essaye de faire à travers ce café, à travers le projet de reconstruction, tout ça, c'est d'offrir une alternative à ces jeunes, de créer une troisième communauté qui ait un sentiment de fierté, d'appartenance et qui ait un objectif et un espoir d'un avenir meilleur ensemble. Et donc au-delà de toutes ces considérations identitaires, sectaires, dans lesquelles ils ont vécu pendant très longtemps, parce que c'était un réconfort quelque part pour eux de sentir qu'ils avaient une certaine appartenance. هالجمعية طلبت منا انه اذا بتحبوا تتسجلوا بجرافيك ديزاين في دورة للجرافيك ديزاين مع جمعية مارتش لليا بارودي اول شيء حسيت فيه هو الخوف انه مين هي هالانسان اللي حتجي من بيروت لهون على طرابلس لحتى تساعدنا افتخرت فيه انه انا وقت بمرق بالشارع اللي هو جمعية مارتش كانت عم تشتغل انها تحسن فيه وتزبط فيه مثل ما هن بيقولوا انه هو بسيط انا بالنسبة لي وكثير كبير ايه عملوا فرص عمل للشباب ما ميزوا ما قالوا انت سني او انت علوي او انت مسيحي انا شايف في هون مرض بهالجسد معده ما بهبطه كله او ما بشيله كله عم صلح لك شيء وشيء انتبه Moi, je pense que quand on y croit quelque chose, on peut réussir à le faire. Parce que quand on y croit, c'est contagieux. Mais c'était devenu comme un challenge, parce que tout le monde me disait non.
ça va pas marcher. Tu vas te faire tuer. Ça va jamais marcher. Ça, c'est des gens qui... C'est ancré en eux depuis 50 ans, depuis 60 ans. C'est toujours le problème par rapport à l'autre, c'est ce qu'on suppose qu'il pense de nous, en fait, plutôt que ce qu'on pense vraiment de lui. لانه هن اللي عم يشتغلوا ما عم يشتغلوا على مشروع مثلا انه عم يرمموا الحجر مثلا عم يشتغلوا على مشروع ترميم الحجر ومع ترميم البشر يعني الشباب اللي عم يجوا مثلا عم يشتغلوا معنا كل واحد من طريق وكل واحد عنده تفكير وكل واحد عنده فكره ضد الاخر وكذا عم يجوا يجتمعوا مع بعضهم عم بيعلموه اللي ما بيعرف يقرا عم يعلموه اللي ما بيعرف انجليزي عم بيعلموه انجليزي يعني عم بيعملوا شيء كثير منيح يعني نحن اجتمعنا من ورا مسرحيه عم نحاول نجمع الشباب من ورا الشغل beaucoup de gens me demandent mais comment est-ce que tu peux traiter avec des gens qui ont tenu des armes et qui ont peut-être tué quelqu'un. J'en dis parce que je ne juge pas, parce que n'importe qui est capable, dans des circonstances, de faire beaucoup de choses. On est tous humains. Et c'est humaniser le problème en parlant de ces gens avec qui j'ai travaillé, qui ont des noms, des visages, des vies, et avec qui on a réussi à faire ça. Tout ça, c'est juste parce que c'est important, ces échanges-là, c'est toute la différence. C'est ça, à mon avis, c'est ça la solution. C'est tellement simple et en même temps tellement difficile que c'est... Give me myself back, give me my soul, give me my heart, give me my freedom. Et c'est vrai que la solution de Léa semble si simple. Humaniser l'autre en lui donnant un nom, un visage, et ne l'enfermant plus dans sa seule appartenance communautaire ou religieuse. Car comme le dit si bien Amin Malouf, si c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance, c'est aussi notre regard qui peut les en libérer. I was a little girl trying to do her best. I was a little girl trying to find a nest. I'm looking for a home, looking for a break from the mess you made. On voit dans toutes les parties du monde des individus qui sont des résistants parce qu'ils ont des croyances, parce qu'ils ont sans doute un système de valeurs très fortes. Ils peuvent essayer par de la contagion culturelle de promouvoir certaines idées. Et je pense que parmi ces valeurs qu'ils ont sans doute acquises par la transmission familiale, dans les réseaux scolaires, etc., ou en lisant un livre ou en regardant un film, il y a une des valeurs cardinales qui est le respect du droit à la dignité pour tout être humain. Ils ont cette valeur qui est chevillée au corps. Et cette valeur signifie qu'on ne va plus jamais chosifier un individu ou l'animaliser. Give me my soul, give me my heart, oh, give me my freedom, give me whatever you took from me there. Mais peut-on aller plus vite? Comment accélérer cette contagion culturelle dont nous parle Benoît Cheher? Comment faire pour que ce mouvement d'ouverture qui semble émerger gagne ce combat contre la peur? Nous faisons face à des défis extrêmement importants. Nous traversons une époque de l'histoire qui est passionnante, mais extrêmement complexe, extrêmement troublante. L'avenir, c'est de faire se rencontrer des gens par-delà leurs appartenances, ces appartenances qui souvent sont imposées, qui souvent sont vécues comme une contrainte, et les gens sont souvent heureux de sortir de cette contrainte pour retrouver l'autre. Et je pense que cette connaissance approfondie est indispensable aujourd'hui. Et c'est un immense chantier. Ce qui émerge des propos d'Amin Malouf est la question fondamentale pour l'avenir de notre société. Comment réellement et profondément enseigner cette connaissance de l'autre? Les États-Unis, ce pays construit sur la diversité religieuse et des peuples, est l'endroit idéal pour aller observer notre futur. Je débarque à New York,
bouillon de culture, de langue, de croyances, de peuple, où tout va toujours plus vite qu'ailleurs. Cette ville où la rencontre à l'autre est une réalité quotidienne. À quelques dizaines de kilomètres de cette mégalopole, je décide d'aller observer le campus de Brookville, connu pour sa pédagogie innovante, menée par trois responsables religieux. What we are doing at Brookville Church is the most radical thing that any Reformed church in America is doing. So please stand if you are able. Om Shalom. Om Shalom. We had a very unique opportunity to build bridges between three major religions, Islam, Christianity, and Judaism. So I started introducing the faith leaders to each other, and very quickly we discovered that we had the exact same passion for building reform in our respective faith traditions. Quand elle arrive dans sa paroisse en 2012, la révérende Vicky apprend que son église loue aussi une partie de ses bâtiments à une synagogue et à un groupe d'études du Coran. Elle y voit l'opportunité de créer des ponts entre le christianisme, le judaïsme et l'islam. Portée par la même passion d'apprendre de l'autre, la rencontre entre les leaders religieux se mue en amitié et Vicky développe avec eux sa vision. So Vicky's vision was to have a campus. That she manifested. I never would have imagined studying a surah and speaking as I have. I never would have imagined looking for Judaism and Christianity, looking for Christianity and Judaism, which is what I do now as I study. When I first met Dr. Sultan, he gave me a copy of his book, which is basically a commentary on the Quran. And the first chapter I read, I began to cry. Because the words that he wrote were the exact same words that I have said about my own faith. There is so much common in the Muslim teaching and the Jewish teaching and the Christian teaching. And so for the world to become better, we have to choose this perspective instead of thinking about what is different from between us. And through those relationships, my understanding of Judaism and Islam went from basically zero to learning a great deal. Let us strive to live a life where we are gracious and merciful to others. We all put the names of our faith communities on the sign as a statement to say that this is our permanent home. We're very clear in the fact that we are not blending the religions. Every prayer group, every Bible study, every Quran study, every worship service, every Shabbat service, every prayer service is open to any faith. I started discovering that congregants and colleagues didn't support what we were doing, didn't understand what we were doing, were misconstruing what we were doing. Some people turned against me. They said, it's too much reform, we don't want it.
There are rabbis all. Rabbis call me all the time. Now, for years, they would call me and say, "How can you do what you do?" The people who are rooted in this is our church. This is our way. We don't want anything new here. It became, for a while, a very isolating experience for me. I started questioning some of my own beliefs, but I do feel that we are ambassadors to the community and maybe even to the world, that what we are doing is possible because it's happening, we're doing it. So am I a rebel? I don't see myself as a rebel. I see myself as having made a choice and making a choice every day to choose life and choose love. Does that make me a rebel? To some people who disagree with me, it probably does. And good for them. We're more alike than we are different. I think that fear comes from ignorance. I challenge you to step out of that fear just by meeting somebody who is different from you. Go find someone who is a different religion, a different ethnicity, nationality. Introduce yourself. Get to know them. Find out what makes their heart beat, what they're passionate about. I think that if you will take that step, as fearful as it may be, it will change your world. It will change your whole perspective. It will open up a whole new world to you. And I think you'll be much happier in your life. À Brookville, la révérende Vicky accueille toutes les semaines de nouveaux paroissiens, des couples aux croyances mixtes qui trouvent au sein du campus un lieu pour apprendre. Cela peut être un chrétien avec un juif, un musulman, un athée, un hindou, un agnostique. Bref, toutes les combinaisons semblent possibles. Et même les plus improbables, comme celles que je découvre en Floride, dans la famille de Rory et Arif. Arif and I actually met online, which is always kind of funny, I feel like, because you never know kind of who are you meeting at that time. And our first time that we actually met in person, that was the first time we learned that I was Jewish and he was Muslim, that we learned of each other, what our backgrounds were. When I first met her parents, all I can picture her father was coming down with the yarmulke, with the curls, like an Hasidic Jew, even though she told me he's a regular guy. That's all I could picture in my head for whatever reason. So he actually made a joke, "Oh, you're Jewish, I'm Muslim, this isn't gonna work out, ha 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 ha." And years later, we're happily married with two children. Mazel tov. Hold it, doing great. You know, when people are courting and everything is rosy and nice, it's when you start living together, then things change, you know? Muslims don't wear shoes in the house, and simply because we pray on the floor, right? We spread a sheet on the floor and we pray. So now I have to tell Rory, you can't wear shoes in the house, you know what I mean? You know, you have this thing calls for adaptation, you have to adapt and... My biggest fear, kids. When we have our kids, what's gonna happen? I mean, I think the clash was really like, can we raise them Muslim as opposed to raising them Jewish? It was, for me, it was an internal struggle. Could I go through with this? Could I just raise them Muslim and not raise them Jewish? I could just be the only Jewish one in the family. What would that feel like? And I couldn't do that. That felt very uncomfortable for me because Judaism is part of my culture. And we had to definitely have conversations about that. One of the things that the therapist told us to do is really
take a look at your religions, right? And take a look at yourselves and just try to find out the similarities. A lot of the times when we're looking at individuals, the things that we're looking for, the things that we're looking at are differences. And those differences tend to make us very scared. However, when we start to look at those similarities, we're like, wait a minute, there's a lot, we have a lot more similarities than we have differences. You know, we're not eating pork, they're eating kosher, we're eating halal. When I started to look at the picture in that sense, that's when the light bulb kind of went off for me. I'm like, ah, you know what? Maybe there's actually a chance here. And so that's how we decided together that we were going to raise them in both religions. So our decision to raise our kids both means that we don't have to choose between Judaism or Islam. They're able to do both. Hayya al-salah, hayya al-salah, hayya al-falah, hayya al-falah. Kartamat ya salah, kartamat ya salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kiddushanu B'mitzvotav B'tzivanu. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Amen. What about? We're good, we're good. Yes, I'm fired. With our kids, if you ask them, you know, what are you? A lot of times people may say, oh, I'm 50% of this and 50% of that. But one of the things that Rory kind of reinforces is that no, you're 100% Muslim, you're 100% West Indian, you're 100% Guyanese, you're 100% Jewish, you're 100% Ashkenazi Jew, or whatever the case is. When we go to synagogue or when we go to the mosque, we go as a family, we go together. To celebrate Ramadan and celebrate Eid, we do as a family. We'll do Shabbat. When we do Shabbat, we do it as a family, everybody's together. At night, we do a bedtime prayer, and it incorporates a Jewish prayer and a Muslim prayer. So they're exposed to a lot of people on both sides from those backgrounds. When I get up in the morning, the first thing I would say, Assalamu alaikum. And now I'm seeing Rory now, and I'm saying, uh-oh, do I say good morning? And you know what? Sometimes she answers back. Sometimes she says, Wa alaikum assalam. I said, oh, that's nice. Right. Mia. Yeah, you're Mia. I think that my kids will be put in situations where people will want them to make a choice with being Jewish or being Muslim. And I'm hoping that we do a good enough job to teach them that they don't have to do that and that they don't have to put themselves in a box. And that they're able to say, I'm not one, I'm both. I am Jewish and I am Muslim. Yellow brown, mom says. Just like creamy peanut butter, I say my favorite. Do you like peanut butter? Aujourd'hui, plus de 20% des enfants aux États-Unis naissent au sein d'un foyer où le couple a des croyances mixtes. Suzanne Katmiller, auteure du livre Being Both, m'aide à comprendre l'impact de ce phénomène sur les nouvelles générations. So in a family like Rory and Arif's, you have a child who is growing up knowing that they are both. And often it's hard for the parents to understand this, for people on the outside looking in to understand how a child can feel both. Because for those of us who were raised with one religion, it doesn't compute. And it feels like there's a theological barrier to doing this, that there is a cognitive dissonance. The fact is, children grow up and whatever their environment is natural for them. And so it feels very natural for those of us who grow up with two religions to feel that we are both. If you raise your children to believe that they are going to be bridge builders in the world, then they take on that role with pride, and you become a peace ambassador. You become part of
a world that is going to resist religious violence. It's going to force people to realize that if you can have peace between two partners, if you can have peace in a family that includes more than one religion, if you can have peace in a community that includes more than one religion, then maybe we can have peace in a world that contains many religions. Suzanne stimule ma curiosité. Cette ouverture à l'autre peut-elle dépasser la sphère de la famille et devenir un enjeu d'éducation dans les écoles? Direction l'Indonésie. Ce quatrième pays le plus peuplé au monde est un véritable patchwork. Il compte 700 langues vivantes, 1110 groupes ethniques, 6 religions officiellement reconnues et une devise nationale qui en dit long sur la volonté de rester unie, Bhinneka Tunggal Ika, ce qui se traduit par « unité dans la diversité ». Pourtant, dans l'archipel des Moluques, tout à l'est de l'Indonésie, cette unité a été mise à mal. Au début de ce siècle, et pendant plusieurs années, un conflit meurtrier a éclaté entre les communautés musulmanes et chrétiennes présentes dans l'archipel. Konflik membuat orang terpisah secara geografis. Orang tersegregasi berdasarkan agama secara geografis. Yang muslim di lokasi yang muslim di Kristen. Yang Kristen di lokasi yang predominan Kristen. Perjumpaan langsung itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jackie est l'un des principaux artisans de la paix dans l'archipel. Et j'ai voulu voir comment, malgré la ségrégation toujours existante, il parvient au sein des écoles, avec le soutien d'enseignants actifs, à permettre aux jeunes générations séparées par le conflit de pouvoir se connaître et de créer des amitiés uniques. Ella sekarang umur 13 tahun. Saya pergi ke sekolah SMP Negeri 9 Ambon. Misalnya nilai IPA-nya tinggi, itu berarti Ella bisa berpeluang untuk menjadi dokter gitu. Itu bisa meraih cita-cita Ella gitu. Kalau di sekitar tempat tinggal Ella tuh nggak ada agama muslim tuh. Karena ini juga kayak perkumpulan agama-agama Kristen gitu. Kayak, atau ada kayak konflik perang yang lalu itu kan nggak pernah cerita ya sama mama sama kayak Miska. Mama nggak pernah cerita ya untuk Miska. Kayaknya masih trauma mungkin. Itu karena mereka jarang dipertemukan, orang Kristen dan orang Muslim jarang dipertemukan dan membaur bersama. Jadi pemikiran mereka masih tetap kayak begitu dan konflik yang mereka ingat tidak bisa hilang dari pemikiran mereka. Makanya mereka beranggapan bahwa orang Muslim dengan orang Kristen itu bahwa sama-sama jahat. Menurut Miska, kalau ada orang Kristen di sekolah Miska itu lebih bagus. Kita saling menghargai itu dengan cara apa? Kita saling mengisi itu dengan cara apa? Jangan mah ke kamera. Assalamualaikum. Anak-anak sekalian, ini sekarang ini kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena bagaimana kita bersikap kepada teman-teman kita di katong pun rumah ada tetangga yang beragama lain. Katong baku sandong, katong sandong, kenapa? Tetangga itu di dalam hukum Islam itu mereka dimuliakan. Dimuliakan, katong kasih dong makan. Contoh, konflik di Ambon itu sangat traumanya sangat mendalam. Sampai sekarang ini, sisa-sisanya masih ada di semua komunitas. Bukan saja di komunitas Muslim, tapi di komunitas Kristen. Mereka masih ada sisa-sisa. Yang saya katakan ini, mereka masih ada sisa-sisa karena mereka ada masih saling curiga. Contoh, anak-anaknya ada kalau mau ke kampung Kristen itu, mereka sudah kasih pesan supaya hati-hati. Nah, justru kami berusaha untuk menghilangkan sekat itu. Meskipun tahap-tahapan sedikit demi sedikit, tapi mudah-mudahan dia bisa hilang. Pertama alasannya itu untuk bagaimana menghilangkan sekat antar siswa, untuk bagaimana membangkitkan kekuatan damai dari sekolah. Karena sungguh dahsyat kegiatan damai itu jika kita memulai dari sekolah. Generasi baru, generasi bawah yang baru tiba sekarang ini, mereka itu
kita sampaikan kepada mereka perdamaian itu sesungguhnya supaya mereka memang hati dan pikiran mereka memang masih bersih. Kemudian cara menyampaikan kepada orang tua juga itu dengan cara mewakili atau menjadi duta dari seluruh masyarakat Maluku, dari seluruh siswa untuk menyampaikan kepada orang tua. Kamu lihat, kita pernah dialami oleh konflik. Konflik yang begitu dahsyat, yang luar biasa, yang porak-poranda, tapi ketong berhasil kembali di dalam kehidupan ketong kembali. Karena kenapa? Faktor yang paling pertama adalah orang Ammon itu saling baku sayang satu sama lain. Yang ketong punya di dalam hukumnya disebut dengan Pela Gandong. Jadi Pela Gandong itu diciptakan, dibuat oleh leluhur supaya ketong saling mencintai satu sama lain, baku sayang. Pela adalah fakta perjanjian yang diangkat antar dua negeri, dua desa adat berdasarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu. Dibangun hubungan Pela sehingga antar sekolah mereka melihat satu terhadap yang lain sebagai saudara. Ya, jadi relasi-relasi lama dari masa lalu, dari para leluhur, bagaimana itu dibawa pada zaman yang lebih modern. Arti bahwa budaya lokal bisa dimanfaatkan sebagai tools bagi kerja-kerja perdamaian. Tanah setelah ini hendaklah disimbolkan dengan memakan siri dan pinang yang merupakan salah satu instrumen atau unsur adat untuk menyatukan kita. Kami mengundang juga Bapak Cecep dan Ibu Heni. Aneh itu Kristen ke Islam, Islam ke Kristen bagi orang Ammon itu sudah satu kejadian aneh. Kita sudah bikin acara sering sama-sama. Karena kan karena siswa kita banyak tersebar di mana-mana, jadi saya pengen kumpulkan dalam satu tempat, kemudian bikin mereka tinggal sama-sama, masak sama-sama, makan sama-sama, dan mereka bermain sama-sama. Jangan hanya kita mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kita mengajarkan tentang akhlak, tentang bagaimana cinta kepada sesama. Itu yang membuat saya termotivasi untuk bagaimana membuat perdamaian itu di sekolah. Itu sudah kami buktikan, ya, sudah kami buktikan dalam berbagai kegiatan bagaimana lewat perjumpaan itu orang memperoleh modal awal untuk membangun rasa percaya dan menjadi sahabat lebih lanjut satu dengan yang lain. Buat dance bareng, terus di video di upload gitu. Join bareng, ya kan? Nela, jadi waktu pertama kali Nela bertemu sama Miska, kayak pikiran yang jahat-jahat tentang orang-orang baru itu di pikirannya tuh langsung kayak ambles gitu. Jadi panas adanya kegiatan panas Pela ini, itu Nela sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan umat yang beda agama dengan Nela. Kenapa saya tidak tahu pasti ya beribadahnya orang umat Kristen, supaya saya ingin membedakan umat Muslim dengan umat Kristen agar pemahaman saya bisa bertambah dan saya bisa memasukkan yang lainnya ke umat Muslim gitu. Kalau di hari Minggu itu ibadahnya cuma hari Minggu atau hari-hari yang lain juga? Contohnya kalau di gereja Ella sendiri itu biasanya hari Minggu kan ibadah raya. Misalnya sapaan kami di gereja kalau untuk mau masuk, misalnya shalom gitu. Kalau misalnya kalau agama Miska kan biasanya assalamualaikum, tutupnya wassalamualaikum. Kalau kita ini shalom.
orang yang siap untuk memuji Tuhan katakan. Amin. Kita berikan suara kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tapi itu ada bapak-bapak miska kayak rasa lucu. Kayak itu nyanyinya sampai goyang-goyang, sampai kayak gimana gitu, kayak orang gila gitu. Kayak mau disebut orang gila ya memang persis ciri-ciri orang gila. Jadi ya miska maklumi karena ini kan rumah mereka anggap rumah Tuhan, makanya mereka ingin bersembah, ya miska maklumi aja. Kalau jadi presiden tuh ya akan bilang kayak gini. Kayak memang ini agak sedikit, ini kayak permasalahan yang cukup rumit ya di Indonesia, tapi Ella akan bilang kayak perdamaian, kayak dikasih sosialisasi. Kayak misalnya kalau bikin kayak panas pela se-Indonesia gitu kan. Miska dan Ella, kita bisa dipanggilkan Katong atau sama-sama karena kita sama-sama menjadi provokator damai. Menjadi sebuah yang memperjuangkan perdamaian. Makanya Katong atau kita wajib dipanggilkan bersama-sama atau bisa disebut dalam bahasa Amung itu Katong. Katong itu kan sama-sama. Pertama kan ada rukun 13. Rukun 13 di dalam sholat. Rukun 13 itu yang pertama berdiri betul. Jadi kita seperti yang di gereja, amin, ya kan? Karena saya sangat percaya bahwa persahabatan merupakan pilar utama, salah satu pilar utama dari relasi atau hubungan antar agama, dari dialog antar agama, dari dialog antar etnis. Dans cet archipel, à 15 000 km de chez moi, la recette d'un enseignement basé sur la connaissance de l'autre est mise en priorité dans les programmes scolaires. Ici, les enseignants ont compris, comme le dit Amin Malouf, qu'en ce siècle, il n'y a pas d'objectif plus crucial que de connaître l'autre. Une à une, les pièces du puzzle d'un monde inclusif se mettent en place. Je saisis mieux les ingrédients qu'il nous faut pour tout simplement faire ensemble. Un monde où l'on respecte chaque jour un peu mieux la diversité humaine, où toute personne peut s'exprimer dans la langue de son choix, professer paisiblement ses croyances et assumer sereinement ses origines sans encourir l'hostilité et le dénigrement. C'est un monde qui avance, qui progresse, qui s'élève. En Afrique, berceau de l'humanité, un pays fait figure d'exemple et résiste aux conflits ethniques et religieux, le Sénégal. C'est dans ce pays, et en particulier dans le petit village de Palmarin, que je découvre l'existence d'un monde digne et harmonieux. Moi, je m'appelle David et j'habite Palmarin. J'achète du poisson et je revends dans les pirogues. Ouais. Là, nous sommes des cultivateurs, des pêcheurs, des bergers, quoi. Là, on a des vaches, et, tu vois, on élève. Ici, à Palmarin, nous sommes une communauté soudée. Quand tu touches David, Tu touches Ibrahima ou bien Mamadou. Là, tu ne peux pas reconnaître le musulman et le chrétien. Tu vois, c'est pour dire que moi, je peux avoir un ami musulman et mon fils, je lui donne et le nom peut-être de mon papa qui est chrétien et du nom de mon ami qui est musulman. Oui, tu pourrais rencontrer en prière Mustapha à Palmarin, en tout cas. Le dimanche, le chrétien va à l'église
le vendredi, le musulman va à la mosquée. Et on revient à la maison pour partager le repas ensemble. Bon, je te dis une chose très importante. Pendant la fête des Pâques, les catholiques ne préparent pas le porc. Pourquoi les catholiques ne préparent pas le porc le jour? Parce qu'ils invitent les musulmans et les musulmans ne mangent pas de porc. Ils font des poulets parce que les musulmans ne mangent pas de porc. C'est très important. Tu vois une famille, il y a que la partie est musulmane et la partie est catholique. C'est pourquoi on gère très bien. Vous pouvez être même père et même mère, et à côté il y a catholique, à côté il y a musulman. C'est tout, ça se passe très bien comme ça, c'est pourquoi on n'a pas de problème. Tout le monde est famille. On a fait l'école ensemble, on a fait l'enfance ensemble, on a partagé beaucoup de choses, les séances de lutte, tout ça. Amul problème, amul problème. On est tous égaux, amul problème. Mais si on rejette les étrangers, il n'y aura pas de développement. Si on rejette les étrangers, il n'y aura pas de développement. Là, il faut les laisser venir. Et là, il ne faut pas rejeter l'étranger qui vient. Il faut l'accueillir. C'est ça qui est important. Et on a un cimetière mixte. Le cimetière mixte, il est derrière. Il y a musulmans et chrétiens confondus dedans. Non, c'est les anciens qui ont fait ça. Hein. C'est les anciens. Ils respectent la tradition. Là, si on laisse ici, ça, là, il faut respecter ce que les anciens ont laissé. Là, on a trouvé les anciens vivre en communauté. Là, les musulmans, des fois, ils courtisent une chrétienne. Ou bien un chrétien courtise un musulman. Peut-être ils peuvent avoir, comment dirais-je, ils peuvent se marier, hein. Ils peuvent se marier. Je ne devais rester que quelques jours à Palmarin. J'y suis resté plusieurs semaines. J'ai beaucoup observé, beaucoup écouté. Chaque jour, je m'étonne de voir avec quelle facilité, quel naturel, les villageois réussissent à créer ce monde ouvert à tous. Le message que je dis aux Européens, il faut toujours vivre amiable. Pas de vivre seul, mais de vivre avec communauté. Respect, dignité humaine, dialogue citoyen, interreligieux, amitié, tradition, mariage, éducation dans les familles, enseignement scolaire, accueil des étrangers, curiosité, tout est mis en place pour que la peur de l'autre ne puisse naître. Ce village a compris comment valoriser pleinement la diversité comme source de richesse. Dieu est là, le christianisme est là et l'islam est ici. Et nous avons les mêmes côtés qui sont égaux. Donc on doit vivre ensemble, vivre la paix et digne la paix. C'est comme ça qu'on vit à Palmarin. Nous vivons en communauté. Là, nous sommes ensemble. Nous habitons ensemble. Nous habitons ensemble. Et vous ne pouvez pas cohabiter et nous, on cohabite. Maintenant, c'est on imite votre vie, mais maintenant, c'est vous qui allez imiter notre vie. Au fond de moi, je pense la chose suivante. Chacun d'entre nous a des appartenances multiples. Mais il y a une appartenance qui, quand même, est importante. C'est que nous sommes des humains qui sommes embarqués sur la planète Terre à un moment de l'histoire, à un moment de l'aventure humaine. Le fait d'être un des 7 milliards et demi d'humains en ce début du XXIe siècle, c'est une appartenance significative qui a une incidence sur notre vie et je souhaite qu'à l'avenir, elle ait une certaine part. Depuis 2 ans que je parcours notre globe, je mesure la réalité de cette appartenance humaine et je reviens apaisé.
Bien sûr, il faudra du temps, de la ténacité et une bonne dose de persévérance pour surmonter nos préjugés et nos peurs. Mais j'ai vu que c'est possible. Il n'y a pas de fatalité. Notre destin nous appartient. En prenant le parti de regarder vers l'avant, d'humaniser l'autre, d'apprendre de lui, d'enseigner l'unité dans la diversité, on dépasse le simple fait de vivre ensemble pour enfin faire. Stop worrying every day. Tell them we are, tell them we are.